Alors, je vais vous parler de deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Chris Salvatore, regardez-moi ça, s'il est mignon quand même. Pas mal, il a 31 ans, il est comédien, chanteur, et il habite à Hollywood. Et une petite Norma Cook, qui elle a 89 ans. Elle est à la retraite, bien sûr, et elle était décoratrice d'intérieur. Et tous les deux, ils n'auraient jamais dû se rencontrer, hein, vous en doutez bien. Il y a un écart d'âge de combien, là ? Ah ben, 35 à 89, ça fait combien, ça ? Presque 60. Oui. Et alors, le seul point commun qu'ils ont, apparemment, c'est d'habiter sur le même palier. Puis pourtant, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Alors comment ? Ben, au début, il lui faisait un petit coucou par la fenêtre de sa cuisine. Pardon, mais vous remarquez qu'en fait, il y a quand même un point commun entre Luc et ce garçon, c'est la mèche. Ouais. Mais oui. Sauf qu'il est beaucoup plus beau. Mais non, Luc, non, tu es bien modeste. C'est tombé dans le panneau, c'est ça qui l'a fait. Ouais, mais il est beaucoup plus loin. Vous avez raison, Simone, je suis là. Luc, tu es moins beau, mais tu es beaucoup plus près de Simone. Oui. Pas moins beau, non. Ah bon ? Non. Mais il est plus jeune aussi, moi j'ai 15 ans de plus. Je fais rien, ça, je m'occupe pas de l'âge. D'accord, on va s'entendre. Donc, les premières choses, c'est des petits coucous. Alors, des petits coucous par la fenêtre, et puis il lui parle un peu. Et puis, au bout de quelques temps, un beau jour, il se dit, je vais aller frapper à sa porte. Il va frapper à sa porte, et elle le reçoit, elle lui offre une coupe de champagne. Et voilà, une belle rencontre. Alors, bon, on se dit, ils n'ont pas de points communs. Mais si, ils ont énormément de points communs. Ils ont les mêmes goûts, ils aiment la cuisine, ils aiment le cinéma, ils aiment les mêmes films, ils aiment le... Voilà, on les voit se régaler, là. Et des bonnes bouffes. Oui, ils sont très... On est en Amérique, hein, donc calme-toi, la bonne bouffe. Oui, c'est vrai. Ça a l'air pas mal, quand même. Bon, là, ça a l'air sympa. Ouais. Et bon, ils aiment le même cinéma. Enfin, ils ont plein de points communs. Norma n'a pas de famille en Californie. Elle n'a plus de famille. Elle est divorcée depuis l'âge de 43 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle avait beaucoup d'amis homosexuels et qui, malheureusement, sont décédés dans les années 80, au moment du sida. Donc... ils se rapprochent tous les deux et ils deviennent vraiment inséparables. Surtout que Chris est homosexuel, donc ça les rapproche encore plus. Malheureusement, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Norma est malade, elle a une leucémie. Alors Chris décide de l'aider, il l'aide à cuisiner, il l'aide il l'emmène à la banque, il l'emmène partout, ils sortent ensemble. Ils jouent un rôle de presque de petit-fils en fait, exactement, c'est exactement ça. Elle finit par le considérer comme son petit-fils et lui comme une grand-mère ou comme une grande amie. Et donc il va s'occuper d'elle parce qu'à un moment donné elle va avoir... Alors malheureusement, oui, elle va tomber malade et devoir aller à l'hôpital. Mais avant déjà, il lui avait installé une petite sonnette sans fil chez elle pour qu'elle puisse l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et d'ailleurs, le pauvre, il n'a pas beaucoup dormi parce qu'elle avait souvent besoin de lui la nuit. Et malheureusement, elle a des problèmes respiratoires. Elle va pendant 2 mois à l'hôpital. Quand elle sort de l'hôpital, son assurance maladie ne peut pas payer les frais d'hôpitaux. Et alors... on rappelle qu'aux États-Unis, ce n'est pas le même système de protection. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait un appel aux dons sur les réseaux sociaux. En quelques heures, il récupère, je ne veux pas dire de bêtises, 34 000 dollars, ce qui fait 31 000 euros. Et en 5 mois, il récupère 74 000 euros, je crois. Grâce à ça, ils peuvent payer les frais, ils ont un peu d'argent. Mais il se dit, ce n'est pas suffisant quand même. Voyant qu'elle était quand même affaiblie, il lui propose, pour dépenser moins d'argent aussi, il lui propose de venir s'installer chez lui, avec son chat Hermès. Elle accepte. Et là, alors, il s'occupe de tout, il la soigne, il est... Donc il est 24 ans sur 24 avec elle. Oui. Surtout qu'il travaille beaucoup à domicile, donc il est là presque tout le temps avec elle. Simone, vous comprenez ce genre de complicité ? Non seulement je comprends, mais je crois que je vis la même chose. J'aime bien ce que vous êtes en train de réaliser. Oui, je le réalise. C'est-à-dire ? Eh bien, que nous pouvons avoir une relation intergénérationnelle très forte. Oui. Comment je vais vous dire ça ? Propre. Et qu'on peut avoir, une relation comme avec ses propres petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants et j'ai mes garçons. Oui. Les garçons, c'est les garçons qui viennent... Kurdes, oui, 4500 kilomètres quand même. Mm-hmm. Et
que, en fait, j'ai adopté, ils font partie de ma famille. Et contre toute attente, il y a une vraie complicité. Oui. Et vous prenez soin les uns des autres. Oui, ils prennent soin de moi, comme je prends soin d'eux. Mmh. Et donc, cette histoire... Il a fait une petite chose incroyable, quand même. Quand il l'a installé chez lui, il lui a construit une salle de bain pour elle. Il lui a aménagé une chambre. Enfin, il a tout fait pour la soigner. Mais malheureusement, Norma a sa santé qui a décliné. Et le 15 février dernier, c'est-à-dire le lendemain de la Saint-Valentin, elle est décédée, entourée de l'amour de Chris. Et pour lui rendre hommage, il a dit « Norma a aidé le monde à comprendre la vraie signification de la Saint-Valentin. Aimer quelqu'un ne consiste pas à vivre en redoutant de le perdre, mais à lui ouvrir son cœur sans crainte. » Ben moi, je trouve ce garçon fantastique. Voilà. Magnifique. Merci Brigitte. Merci pour cette histoire. Je viens de le dire, il s'appelle Chris Salvatore. Et Salvatore, ça veut dire sauveur. Sauveur. En italien. C'est beau. Exact. C'est beau. Ça, c'est toi. Un homme prédestiné. Tout à l'heure. Oui. Comme vous parlez anglais maintenant, Simone, vous pourrez le saluer sur Facebook. Oui, bien sûr. Chris Salvatore. Chris. Et en tout cas, la fin de la phrase, c'est quoi ? Aimer quelqu'un ne consiste pas à vivre en redoutant de le perdre, mais à lui ouvrir son cœur sans crainte. Voilà. Donc finalement, c'est une belle phrase.